Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est samedi, donc en fait week-end, pour moi ce sera repos et petite bricole que j'arrive pas à faire pendant la semaine. Je pense me mettre à la cuisine, je pense aller faire un tour avec des copines et des copains, et me reposer surtout. Donc maquillage quasiment absent, j'ai juste travaillé un peu mon teint histoire de pas trop effrayer les gens, n'est-ce pas? Et je viens aujourd'hui vous présenter quelques produits que j'aime bien. En fait, vous verrez très rapidement que je ne suis pas une fille qui achète énormément de produits, parce que j'estime que, bon, pour moi, très personnellement, hein, ça n'a aucun intérêt de collectionner du matériel. Donc, je préfère acheter à fur et à mesure. Bien sûr, il y a des fois où je craque, puisque je suis faible aussi. Mais je n'ai pas énormément de produits, en fait. J'ai quelques produits. Il y a des grandes chances que j'ai beaucoup plus de produits que la moyenne des filles que je connais. Surtout au maquillage, mais je ne suis pas quelqu'un qui pourrait faire par exemple les favoris du mois. Bien que, puisque je suis un peu en retard et j'ai commencé à faire des vidéos depuis pas très longtemps, j'aurai forcément des produits à vous présenter que j'aime bien. On commence donc, je vous présente les produits rapidement. Le premier, donc c'est le Moroccan Oil, c'est un produit pour les cheveux. Le soin de Mavala, donc notamment celui-là, de Mavala Scientific. Et après, un petit soin pour les ongles de chez Avon. Alors, on commence par il se présente comme ceci, je vais retrouver. Il se présente comme ceci. Il est très liquide avec des petites paillettes dorées. Alors, on commence par celui-là. Avon nous dit que c'est un soin fortifiant pour les ongles. Conseil beauté appliqué sur des ongles propres et secs. Merci. Moi j'ai toujours aimé porter des ongles assez longs. Le problème c'est que j'ai des ongles très 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 fragiles et qui se dédoublent très, très facilement. Pardon. Donc en fait je cherchais un produit pour les durcir et pour les rendre plus forts. Donc, voilà pourquoi ces deux produits-là. Celui-là, mon vin de l'or, c'est celui que j'ai acheté en premier. Puisque j'ai regardé, en fait, une vidéo de Coraline où elle parlait de ses ongles. Et elle disait qu'elle avait les ongles fragiles, qu'elle avait les ongles qui se dédoublaient, etc., qui se cassaient. Donc, elle avait utilisé ce produit-là qu'elle trouvait plutôt efficace. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer. Je l'ai commandé sur eBay. Je l'ai payé... payé je pense 11 euros, quelque chose comme ça, et j'ai eu donc ça en cadeau. Je l'ai acheté auprès d'une fleur maquillée, hein, donc j'ai eu ce petit vernis Mavala en cadeau qui ne me convient pas du tout, puisque je suis déjà, comme vous pouvez le voir, assez pâle, et donc une couleur comme ça dorée là, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Pour moi, ça fait un peu trop clair, mais bon, j'ai pas pu choisir. Donc, je l'ai eu en cadeau et j'ai payé ça aux alentours de 11 euros. Qu'est-ce que je pense de ce produit? Ce produit, pour moi, il marche. Il est très efficace. Donc, moi, je l'applique pas, je suis pas très, on va dire, régulière dans l'application. Je pense que si vous prenez le temps de le mettre, comme ils disent, je pense une à deux fois par semaine, et vous êtes très régulière, ça pourrait marcher. Donc il se présente comme ça, avec un petit pinceau, comme ça. Et il a une couleur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, bleu-verte. Petit bémol, ils sont mauvais. Ils sont très 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 mauvais et très très forts. Voilà un petit mail entre temps. Ils sont très très forts. Et ils puent en fait. Moi je voulais être polie, vous dire qu'ils sont forts et qu'ils sont mauvais, mais ils sont vraiment mauvais. Et il y a un ingrédient dedans qui n'est pas très bon, on va dire, pour la santé. Je vous le mettrai par là ou par là, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir le bien prononcer en français. En italien c'est formaldehyde. C'était en fait un truc qu'on utilisait dans les hôpitaux pour endormir les gens et qui a été déclaré non conforme et non safe. Donc là, il y en a pas mal. Donc quand j'ai dit ça à ma sœur qui travaille dans les hôpitaux, elle a halluciné et elle m'a empêché de l'utiliser. Moi, je l'utilise quand même.
Je pense que s'ils l'ont commercialisé et qu'ils le vendent dans une pharmacie, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas, surtout pas être responsable de, de dégâts causés par ce produit-là. Pour moi, il marche. Donc, je ne les ai pas. Enfin, mes ongles ne sont pas vraiment forts. Hein, vous voyez, ils restent quand même assez fragiles. Mais, je vous dis, tout ça, par rapport à avant, c'est déjà un résultat pas mal. Donc, je vous le conseille. Et surtout, il se dédouble moins. Voilà. Surtout, il se dédouble moins. Donc, moi, je vous le conseille. Si vous voulez essayer un produit qui vous permette de durcir vos ongles, allez-y, c'est un bon produit. Le seul petit problème, c'est ils sont mauvais et cet ingrédient-là qui n'est pas très, très bien. Donc, puisque ma sœur, elle a halluciné, 5 minutes, elle m'a offert ça. Donc, elle m'a dit, comme ça, t'éviteras de te mettre cette saleté de produit sur les ongles. Il y a des enfants. Et elle m'a offert ça. Donc, c'est un produit que je connaissais pas. Qui se présente donc comme un vernis à ongles, sauf qu'il est très très liquide, vous voyez, il est très liquide. En fait, il s'appelle 20K Gold Strand et il a des toutes petites paillettes dorées à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, et il est censé durcir vos ongles. Effectivement, il est durci, c'est pas flagrant. Moi, je le mets souvent aussi parce que il est très joli. Il donne un fini. Vous voyez comment il brille mes ongles. Il donne un fini très très. Un fini très joli aux ongles, très naturel, mais qui se voit quand même. Et les petites paillettes, j'aime beaucoup. En fait, si vous voulez, il donne un petit glow aux ongles et pour pas les laisser nus, on va dire, sans rien du tout, c'est une bonne alternative. Moi, je vous conseille ce produit. Je l'aime beaucoup. Donc, vous voyez, j'en ai déjà utilisé pas mal. Je le mets, en fait, comme si c'était un simple vernis transparent. Quand j'ai pas envie de faire mes ongles, que je veux quand même qu'ils soient un petit peu jolis, sans vouloir mettre de la couleur, sans faire attention au vernis, etc., à l'application, je mets ça. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup. Aussi parce qu'il sèche très très vite. Après, donc, pour résumer, ça plus ça, ça marche assez bien. Alors, on vient au produit peut-être le plus intéressant. Donc, c'est le Moroccanoïde que j'ai acheté sur eBay également. Je suis obsédée par mes cheveux. Donc, j'ai les cheveux très longs. Je ne sais pas si vous pouvez. Alors, j'ai les cheveux très longs, comme vous pouvez le voir. Là, je viens de faire des tresses pour aller dormir parce que sinon, le matin, quand je me réveille, c'est la galère. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont une forme un peu n'importe laquelle. En tout cas, j'ai les cheveux très très longs et j'en prends soin. J'en prends soin depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu les cheveux longs. Je les avais jusque là, jusqu'à la taille à un moment. Après, j'ai fait... quelque chose dont j'ai très très honte, c'est-à-dire que j'étais adolescente et j'étais une fan de Backstreet Boys. Donc, je ne sais pas si vous voyez les Backstreet Boys. Everybody! Les Backstreet Boys. Et j'adorais Nick Carter. C'était une obsession. C'était devenu, je rêvais de lui la nuit. J'avais ma chambre, on aurait dit il manquait un hôtel, quoi, et c'était parfait. J'adorais ce mec. J'avais un collier avec sa photo, mais j'étais folle de Nick Carter, quoi. Donc, pour je ne sais pas quel raisonnement bizarre, j'avais décidé qu'il fallait que je me coupe les cheveux comme lui. Attention, seule petite différence, lui c'était un mec, moi j'étais une fille. Et comme je vous ai dit, pendant mon adolescence, je n'étais pas vraiment jolie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait la connerie. En fait, j'avais des superbes cheveux, mais alors, je vous dis, super long, soyeux, magnifique, blond, jusque là, tout à coup, tac, je les ai coupés là. Mais là, alors c'était choquant. Et ma mère, elle n'était pas d'accord, mais bon, après les cheveux ils poussent, donc elle m'a dit, vas-y, fais ce que tu veux, tu te rendras vite compte que tu as fait une connerie. Et effectivement, surtout aujourd'hui, en regardant les photos, c'était bizarre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis obsédée par mes cheveux. Je les soigne souvent. Toutes les deux semaines, je fais un masque. J'ai pas de fer à lisser. J'utilise très rarement un fer à boucler.
jamais, jamais, plus jamais de la vie, je toucherai à la couleur de mes cheveux. Parce que, petite histoire, j'étais blonde. J'étais blonde, si j'y arriverais, je vous mettrais une photo de quand j'étais blonde. J'étais blonde, blonde, quoi. Mais pas blonde. Je me décolorais les cheveux presque. J'étais un peu blondasse, même. Donc, j'ai commencé petit à petit avec des mèches, donc tranquillement. Après, j'ai pris de la camomille. Enfin, j'ai blondi, blondi, blondi. Et après, en fait, je pouvais pas continuer à faire des couleurs. J'avais juste, en fait, j'appelais ma coiffeuse parce que elle vient à la maison et je faisais que les racines là. En fait, et j'avais une tête horrible. J'avais différents jaunes, enfin, c'était horrible. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai couvert moi-même la couleur avec une couleur brune. Donc, résultat, je suis devenue verte. Il m'a fallu deux ans, hein, pour faire du rouge, pour enlever le vert, couper, faire du rouge, couper, faire du rouge, couper. Donc, aujourd'hui, je suis à ma couleur naturelle. J'en suis assez contente. C'est parfait comme ça. Donc, ce produit-là, je l'ai payé la peau des fesses. Il coûte 30 euros, il me semble. Il y en a... voilà. Il y en a 100 ml, je pense. Ouais. Et... Il possède une qualité unique d'absorption instantanée par les cheveux, leur conférant une brillance immédiate et fournit un traitement revitalisant longue durée, libre de résidus huileux. C'est vrai, c'est un très 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 bon produit. Et ils sont divinement bons. Alors celui-là, ils sont super. Ils sont, mais vraiment, ça, en fait, ça rappelle le Maroc. Enfin, moi, ça me rappelle, j'ai jamais été au Maroc, hein. Mais quand je pense au Maroc, et je sens ce produit-là, bah, ça colle parfaitement. Ils sont divinement bons. Moi, je le mets, parfois sur les cheveux mouillés, et après, je les sèche. Parfois, sur les cheveux, déjà secs, quand je veux leur donner une petite brillance supplémentaire. Je me sens pas de vous le conseiller, parce que je pense que, à 30 euros, bah, c'est quand même beaucoup. Moi, je le fais parce que je suis obsédée. Donc, pour moi, ça vaut le coup. Je préfère, par exemple, investir 30 euros sur un produit pour les cheveux plutôt que sur, je ne sais pas, une base de maquillage. Après, ça dépend de vos priorités, ça dépend de votre budget, mais je suis sûre qu'en commerce, il y a des très, très bons produits qui peuvent faire l'affaire. Moi, si vous tombez sur ce produit que vous avez envie de l'essayer, et que vous avez peut-être la possibilité de l'acheter pas si cher que ça sur eBay, je vous le conseille, il n'est pas gras, il rend les cheveux soyeux, les cheveux ils se démêlent parfaitement, ils sont très très bons, les cheveux ils brillent, ils sont sains. Il n'y a pas d'alcool dedans, c'est naturel, enfin plus ou moins naturel je dirais, en tout cas il y a très très peu d'ingrédients chimiques dedans. Moi je l'aime beaucoup ce produit, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je regrette de ne pas avoir plus de temps, mais je me suis perdue, j'ai divagué avec l'histoire des Backstreet Boys et de mes cheveux. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser, je suis très contente que vous me suiviez. J'ai quasiment 100 abonnés, pour moi c'est énorme d'avoir 100 personnes qui me consacrent leur temps. Je vous remercie encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!